Gérald est producteur de viande en Haute-Saône. Ce matin, il est derrière l'étal, généralement quelques heures par semaine, comme 24 autres producteurs de la Haute-Saône qui se relaient et surtout qui fournissent ce premier magasin paysan du département. Le producteur de viande ne vend pas forcément de la viande. Il peut vendre des pommes de terre. Le producteur de pommes de terre peut vendre aussi de la viande. Il faut apprendre un petit peu un nouveau métier. C'est quelque chose de très enrichissant du point de vue de l'agriculteur. Je pense aussi du point de vue du consommateur. Il y a un échange qui se fait. On parle de notre métier. On permet de parler. Les gens sont à l'écoute. Un projet novateur porté par la FDSEA de Haute-Saône qui propose dans ce magasin de 400 mètres carrés plus de 1200 références, le tout issu de 55 producteurs du département, des pommes de terre, de la viande, du miel, des œufs, etc., etc. Les gens, quand ils viennent faire leurs courses, et on l'a vu le premier jour de l'ouverture, il y a des gens qui mettaient sur les réseaux sociaux ce qu'ils avaient fait en achat. Et on voit aujourd'hui que l'acte d'achat devient un acte militant pour les gens qui viennent ici à Esprit Paysan. Apolline, 22 ans, fait partie des 4 salariés du magasin. Elle était dans la grande distribution avant, une autre vie où elle ne retournerait pour rien au monde, heureuse de participer à ce nouveau challenge. Ce qui fait le plus de ce magasin, c'est vraiment l'ambiance générale du magasin, la proximité avec les producteurs, les éleveurs, les agriculteurs. Eh ben, c'est vraiment familial, c'est vraiment... Et ça vous change de votre ancien métier ? Ah oui, tout à fait. Un concept haussonnois qui ne demande qu'à se multiplier pour que l'esprit paysan continue de souffler.